I'd like to now ask members of major unions, Danny Lemelin and Patty Ducharme of the Public Service Alliance of Canada. And Danny's with the Canadian Union of Postal Workers who have supported Barrier Lake. So good morning, everyone. So it's really important to be here today. And I just want to say that the first time I met with the people of Lac Barrière was in last September during the election when we both the group COPW and the people of Lac Barrière to a meeting with all the people around election time, and we wanted to meet Lawrence Cannon, who was the deputy and still the deputy of the riding here, asking about the question, and we were really impressed with the way the people of Lac Barrière put forward their ideas and their case. And it's really important for the labor movement to be here because it's the same fight. It's the same fight, it's the fight for a future, and it's the fight for deciding the kind of society we want to live in. Donc c'est très important pour nous d'être ici aujourd'hui, d'apporter l'appui des 54 000 membres du syndicat des travailleurs et travailleuses des postes à la lutte du peuple du lac Barrière. Dans le mouvement ouvrier, c'est la même lutte. On lutte pour la justice sociale. On lutte dans le fait pour être en mesure de développer une société à notre mesure. Donc la lutte du peuple du lac Barrière est notre lutte, est la lutte du mouvement ouvrier, est la lutte de l'ensemble de la société pour une société plus juste, plus équitable. Et on est ici aujourd'hui pour apporter un appui très fort sur, premièrement, la libération de Benjamin Netanyahu, c'est vraiment important. On est aussi ici pour qu'il y ait un processus pour les élections qui respecte le droit à l'autodétermination du peuple du lac Barrière de décider eux-mêmes de quelle façon ils vont gérer leur communauté. Et on est ici aussi pour demander aux deux paliers de gouvernement de respecter les ententes et les accords qu'ils ont signés en 1991. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a au-delà de 200 accords qui ont été signés par les gouvernements sur la question des terres des peuples autochtones qui ne sont pas respectés et qui sont toujours devant les tribunaux pour être respectés. Et ça, c'est une lutte importante. Et nous, on est ici et on va continuer. On assure la communauté du lac Barrière de notre plus grand appui et de l'appui de nos 54 000 membres et notre plus grande solidarité. Donc la lutte continue tous ensemble. Merci.